Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne puis-je pas me connecter à mon compte sur Movistar Planet 2? Je vais vérifier mes mails, ne sait-on jamais. Et pour vous remercier de regarder mes vidéos, je vais vous faire gagner à chaque vidéo maintenant des drips et des pixels. Et pour cela, il suffit juste d'être abonné à la chaîne, de mettre un petit like et de lâcher votre commentaire le plus original suivi de votre pseudo et le gagnant ou la gagnante de la vidéo précédente. Et... Bien, hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Movistar Planet 2 et j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail de Movistar Planet 2 bêta qui me dit: tu as écrit quelque chose de grossier ou d'inapproprié, tu comprendras que c'est inacceptable. Rien n'est plus facile que de rendre le jeu sûr et amusant pour tout le monde. Il suffit de jouer gentiment, cordialement, équipe Movistar Planet 2. Bon, je vais arrêter de hurler parce que bon. Donc, j'ai reçu cet email là et attention, don't panic, les gens, don't panic. Eh bien, en fait, non, j'ai un petit peu trollé au début. J'ai pas mis mon bon mot de passe, mais vous inquiétez pas, mon compte n'est pas banni. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je crois que quelqu'un a essayé de me faire une petite frayeur. Et je mentirais en disant que pendant une demi-seconde, je n'y ai pas cru. Parce que pendant une demi-seconde, j'y ai cru. Voilà, je me suis dit... Ouais, bon, j'ai l'habitude. En fait, vous savez, les gens, j'ai tellement l'habitude de me faire bannir ou bloquer sur Movistar Planet 1 que je me dis que même sur MSP2, ça aurait pu être possible. Même si j'ai envie de dire, c'est un petit peu tôt quand même, non? Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de monde pour signaler, pour bannir aussi les gens de MSP2. Bref, mais ça s'est très vite, j'ai très vite remarqué que ce mail était faux. Tout simplement parce qu'il y a, au début, il me semble que MSP commence toujours par bonjour. Et là, il n'y a pas de bonjour, et encore, c'est pas ça, c'est surtout que la personne fait quand même plusieurs fautes d'orthographe, quoi. Notamment un mot qui a été mis en gras, hein, gentiment, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez remarqué la faute qu'il y a dans gentiment ou pas? Parce que en plus, la personne l'a mis en gras. Donc quand j'ai ouvert le mail, pendant peut-être une demi-milliseconde, j'ai eu un doute sur ce mail. Mais dès que j'ai vu le mot en gras, je me suis dit... Ok. Ok, une faute comme ça, MSP2 ne l'aurait jamais fait. Donc, bon, il n'y a pas que cette faute-ci. Après, je ne suis pas prof de français, je suis plutôt nulle, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres fautes. Je ne demande pas s'il n'y a pas de N à inapproprié, mais je suis pas sûre, je sais plus trop, bref. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer le premier mail fake de MSP2 que j'ai reçu. Parce que de MSP, le premier, j'en ai reçu plein. Mais de MSP2, je vous avouerai que c'est quand même bien la première fois. Voilà, et je vous avouerai avec le petit logo de MSP2, le mail qui s'appelle moviestarplanet2beta@gmail.com, ça m'a l'air plutôt plausible comme mail. C'est vrai que je pense que si ça se serait arrivé à quelqu'un d'autre que moi, je pense que des personnes auraient pu tomber bien plus dans le panneau que moi. Mais je voulais vous dire aussi également aux personnes qui m'envoient des mails sur mon mail professionnel, n'est-ce pas? Bon, déjà c'est un mail professionnel, du coup c'est pour les demandes de partenariat, etc., de collab, patati patata, et... patati patata.
Et ce ne sont absolument pas les mails que j'utilise pour mes comptes, que ce soit mes comptes Gmail, enfin mes comptes YouTube, que ce soit pour mes comptes de YouTube, enfin ça je l'ai déjà dit, enfin YouTube, Gmail, c'est mail, Google, tout ça c'est la même chose, mais ce ne sont absolument pas les mails que j'utilise, enfin le mail en tout cas que j'utilise pour mes comptes sur Movistar Planet. D'ailleurs quand j'ai été en contact avec MSP pour quand ils m'ont proposé de venir sur la bêta, eh bien j'ai eu ce contact avec un autre mail. Donc ça aussi, ça fait que dès que j'ai vu le mail, je me suis dit, attends, il y a un bug dans la matrice là. Non, je crois que ça se dit matrice. Bref, on s'en fout. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais vous montrer maintenant que je peux toujours me connecter sur Movistar Planet 2. Comme ça, voilà, no stress. C'est parti. Nous voici sur la page de la connexion sur le Movistar Planet 2. Et bon, faut que j'arrête de parler comme une Google. Et regardez, on se connecte. Est-ce que ça fonctionne? Bah, ça a l'air de fonctionner à première vue. Et oui, et bim, bam, boum. Regarde avec ça. Voilà, me voilà sur Movistar Planet 2. Hein. Voilà, je suis connectée sur 15Z. Vous voyez, c'est pas fake. Je bouge. Voilà. Bonjour, monsieur. Je suis connectée et je ne suis absolument pas banni, voilà. Et tant qu'à faire, pendant que je suis connectée, je vais vérifier s'il y a des petites nouveautés, même si j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau depuis la dernière fois, hein, que je vous ai fait une vidéo sur les nouveautés entre les nouveaux vêtements dans le shop. Après, peut-être que il n'y a plus le bug dans la boutique, peut-être maintenant que les vêtements s'affichent correctement. Hein, tant qu'à faire, on va les vérifier. Et ouais, yes, ça s'affiche. Mais j'ai l'impression qu'ils ont enlevé les vêtements, qu'ils étaient... Non, ils ont enlevé ou pas? Hein? Je sais pas. Non, c'est bon. Parce que ça, voilà, ça faisait partie des vêtements qu'ils avaient été rajoutés. C'est juste qu'ils n'ont pas été mis dans le même ordre, je crois. Mais en gros, rappelez-vous dans ma vidéo sur les nouveautés. Ah, excusez-moi. Hop. Attendez, j'ai envie de tester ça. Mais c'est trop stylé, ça. Mais ça coûte des diamants. Ouais, je suis trop triste. On dirait une salopette de fermière. Mais j'adore. Oh non. Bon, bah j'ai pas de diamant, je vais pas pouvoir l'acheter de toute manière. Mais cette robe-là, elle est sympa. Bah, elle est VIP. Merci, au revoir. Mais ouais, il y avait des petits points d'interrogation à la place. Mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'il n'y avait pas encore. Qu'ils ont rajouté de nouveaux petits vêtements, j'ai l'impression. Oh, celle-là, cette jupe, elle est trop belle. J'ai l'impression qu'il y a des toutes petites nouveautés en plus, quoi. Et ça, c'est cool parce que c'est pas VIP non plus. En termes de chaussures, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Les petites bottes, rappelez-vous, je vous avais dit en plus qu'ils ont rajouté des petits talons maintenant. Avant, il y avait que des baskets ou des talons plats. Enfin, des talons plats. Des talons plats. SVP, je vous ai sorti. Des talons plats. En gros, ces talons plats, c'est pas des talons, mais bon. Des petits talons, voilà. Alors que là, ils ont rajouté des talons un petit peu plus élevés quand même. Et en termes d'accessoires, oh, elle ressemble plus à rien là, mon fille. Hop, on va lui rajouter une petite couronne. Elle ressemble plus à rien. Mais ils ont rajouté vraiment pas mal d'affaires et ça, c'est cool. Ah ouais, attendez. Ça, c'était pas avant non plus. La cape, la couronne et tout. Ah, genre trop stylé. Mais voilà, ils ont rajouté. Mais bon, je vais pas faire une vidéo spécialement juste pour montrer les nouveautés dans la boutique. Hein, c'est pas assez intéressant. Mais voilà, on va ressortir. On va voir s'il y a de la nouveauté ailleurs. Même si, honnêtement, je ne pense pas. Hein, n'est-ce pas? On va aller voir dans le studio. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'on peut rajouter des photos? Toujours pas. Est-ce qu'il y a du design? Non. Movie? Non plus. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais chier avec ça dans chacune de mes vidéos. Mais moi, vraiment, j'attends vraiment de pouvoir tester la catégorie movies, de pouvoir créer un film. Vraiment, c'est ce qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment le plus. Bientôt, ok. Non, il n'y a rien, vous voyez, comme... Oh, excusez-moi. Il n'y a vraiment pas de nouveauté, hein. Il y a toujours... voilà. Il y a des personnes qui s'amusent à créer des looks, mais bon, à part ça, on ne peut rien faire. Pareil, je suppose qu'il n'y a pas de nouveaux endroits et qu'on ne peut toujours rien faire dans la chambre, mais on va quand même aller vérifier. Merde, c'est pas là-dedans. C'était comment déjà? Ah oui, voilà, c'est sur la petite map. On va aller tester, ouais, vous voyez, il n'y a pas de nouveaux endroits, on va aller dans la maison si on peut la modifier, mais honnêtement, je ne pense toujours pas, puisqu'il n'y a toujours pas la boutique pour les affaires de maison. Non, écoutez, je vois pas de possibilité de modifier la maison,
Et il y avait une dernière chose à vie, le VIP. Voilà, Coming Soon. Ok, donc absolument rien n'a changé, si ce n'est que la boutique s'est renflouée de quelques petites affaires. Mais il n'y a absolument rien de nouveau. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ah. Dites-moi si vous y avez cru ou pas, dès que vous avez vu la vidéo. Et si vous auriez reçu ce message-là, est-ce que vous auriez cru? Voilà, bon, de toute manière, je suppose que vous auriez de toute manière essayé de vous connecter. Mais bon. Eh bien, écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous à vous et ciao ciao!